L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Tchad, Wang Xining, est venu féliciter le Premier ministre pour sa nomination à la tête du tout premier gouvernement de la 5e République. Une visite de courtoisie qui a permis aux deux personnalités de faire le tour d'horizon des questions liées à la coopération sino-tchadienne, notamment dans les secteurs des infrastructures, santé, enseignement supérieur, agricole et bien d'autres. Le retour à l'ordre constitutionnel salué par des observateurs de la scène politique et la République populaire de Chine en particulier permettra au Tchad de prendre son envol dans divers domaines pour le bien-être de la population. Message de félicitations adressé par le Premier ministre chinois Li Qiang à Premier ministre tchadien. Nous avons parvenu à un consensus après l'élection présidentielle de tchadienne, qui est avec un grand succès. La relation sino-tchadienne est maintenant devant un nouveau point de débat. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Tchad a enfin réitéré la disponibilité de son pays à développer davantage les liens d'amitié afin de redynamiser la coopération sino-tchadienne.